permettre aux auditeurs de la 44e promotion de découvrir Dakar et sa petite côte. Tel est l'objectif de la sortie récréative organisée par le Centre Ouest Africain de Formation et d'Études Bancaires, COFEB, du 27 au 28 août 2022. La sortie récréative, qui a allié pédagogie, découverte et loisirs, a conduit les auditeurs de la 44e promotion du COFEB au Centre de protection des tortues du Sénégal, appelé Village des Tortues, un centre situé à l'entrée de la presqu'île du Cap-Vert, dans la réserve spéciale botanique du village de Noflaï, exclusivement dédiée à la préservation et à la reproduction des tortues. On a créé le Village des Tortues pour sauvegarder les tortues, mais aussi pour les préparer à leur programme de réintroduction des tortues dans les milieux naturels. C'est-à-dire on les libère, on les met en liberté. Voilà, donc ici au Sénégal, on en a 11 espèces de tortues. Sur les 11 espèces de tortues, il y en a des tortues de terre, il y en a des tortues d'eau douce et des tortues de mer. Donc on a une seule tortue de terre qu'on appelle la tortue sulcata. C'est une grosse tortue qui peut peser au maximum 100 kg et qui peut vivre jusqu'à 150 ans. Donc c'est une tortue herbivore. C'était très intéressant, vu déjà que la façon dont les tortues étaient réparties, c'est-à-dire de 2 ans à 13 ans, et chaque, et en fonction de l'âge, on les regroupait dans un espace pour ainsi de suite les acheminer pour maintenant organiser leur sortie. Voilà. Et par rapport aux tortues, il y avait plusieurs types de tortues. Il y a des tortues omni et herbivores, des tortues carnivores. Bon, il faut dire que je ne savais pas qu'il y avait des tortues carnivores. C'est déjà quelque chose que j'ai appris ici sur le site. Nous avons parcouru toute la réserve. Ils nous ont quand même parlé des différentes espèces de tortues qu'on a. Nous les avons visitées aussi. Et les techniques de conservation ou bien de nutrition de ces tortues aussi. Ils nous ont parlé de tout ça. J'ai vraiment apprécié cela. Et je remercie COFEB pour avoir organisé cette visite-là. Après avoir visité les enclos aménagés à l'intérieur du grand jardin botanique du village et constaté les différentes espèces de tortues représentées, les auditeurs de la 44e promotion du COFEB ont mis le cap sur le lac Rose, l'un des sites touristiques les plus visités au Sénégal. Le lac Rose, une lagune côtière fermée qui doit sa renommée au caractère changeant de son nom, mais aussi au rallye Paris-Dakar qui en a fait son ultime étape. Sur place, les auditeurs de la 44e promotion du COFEB ont observé l'extraction du sel pratiqué dans le lac de façon manuelle. Ce qui m'impressionne ici, c'est le caractère changeant de la couleur de l'eau. Apparemment, nos guides nous font comprendre que, en réalité, par rapport à cette période-là, le lac n'est plus suffisamment rose, comme son nom l'indique, mais qu'il viendra un moment où, apparemment, le soleil serait au zénith. Dans leur expression, on constaterait le caractère rose, en tout cas, du lac. Mais la seconde impression que j'ai, c'est le caractère, en tout cas, rémunérateur qui tourne autour du lac, notamment l'extraction du sel. Bravo au Sénégal qui en a pratiquement fait, en tout cas, un point d'attraction pour les touristes également, promouvoir, en tout cas, cet espace comme une activité au profit des dames. C'est un wow. Après le lac Rose, c'est dans une belle ambiance dans le bus que les auditeurs de la 44e promotion du COFEB ont pris le chemin du plus grand centre touristique de l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue à Sali Portudal, une station balnéaire située sur la petite côte au sud de Dakar qui totalise plus de 17 hôtels. Dès leur arrivée à Sali et après seulement quelques minutes de repos, les auditeurs de la 44e promotion du COFEB ont visité la ville de Mbour, une étape importante qui les a menés au marché central et au quai de pêche de la ville. La visite du village artisanal de Sali, fondé en 1981, a été l'ultime étape de la sortie récréative des auditeurs de la 44e promotion du COFEB. En plus d'observer les artisans au travail,
les auditeurs ont marchandé avec eux pour obtenir les meilleurs prix sur les articles choisis avant de regagner leur chambre d'hôtel. Au terme de la sortie récréative, les auditeurs de la 44e promotion du COFEB n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de satisfaction à l'endroit des autorités de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en général et celle du COFEB en particulier. Nous apprenons beaucoup d'eux et s'il y a à conseiller, nous allons conseiller à nos de retour dans nos pays. Nous allons encourager nos collègues, nos frères et sœurs de venir se former encore au COFEB. Ce n'est pas que le savoir qu'on transmet au niveau du COFEB, il y a bien plus des valeurs que l'Africain a en soi et qu'on a tendance à oublier que le COFEB nous rappelle cela. Il n'y a pas un mot pour pouvoir qualifier ce que le COFEB a fait pour nous durant les 9 mois. Il n'y a pas un mot, j'en cherche, mais je n'en trouve pas, mais... Le seul mot que je puisse dire, c'est un merci. À part d'être un centre, je peux dire que c'est un lieu où on nous apprend le savoir-vivre ensemble, former des équipes, se comprendre pour aller un peu plus loin. Et surtout, l'acceptation de l'autre. Le COFEB, c'est rien que de l'excellence.